Bonjour à tous. Alors, c'est important que j'explique vraiment ceci. J'ai lu tous les commentaires et vraiment, je voudrais m'excuser. Je suis vraiment désolée parce que ça a mis la confusion pour beaucoup. Alors, le mieux, c'est que rapidement, je vous explique un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce LSP? Tout d'abord, je vais me présenter, ensuite. Je vais parler d'où ça vient, cette pensée du LSP. Et de la vision justement de cette langue des signes partout. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Tout d'abord, je vais me présenter. Alors, je suis Nathalie Samso. C'est mon premier prénom. Mon nom de famille d'épouse, donc c'est Samso. Et on peut voir sur mon compte Facebook que je suis Hélène Froitier. Alors c'est aussi c'est mon deuxième prénom et puis mon nom de jeune fille. Alors le nom Froitier est en lien avec une entreprise que j'ai créée, qui est une école en ligne. Alors, je suis entendante aussi. Je suis pas du tout une enfant Godard. Et j'ai fait une formation d'interprète. J'ai travaillé dans une école en tant qu'assistante professeure et dans une institution, donc en tant qu'interprète institutionnelle à Asnières. C'était en 2006, pendant un an. Non, plutôt 2 ans. Je travaillais pendant 2 ans, excusez-moi. Depuis, alors on a vécu quelques années au Canada, et puis depuis 2015, je m'occupe de ma famille. Et je travaille, on peut dire bénévolement pour mon mari qui est une personne handicapée physique assez lourde. Et puis parallèlement, donc j'ai créé cette entreprise. Alors revenons à LSP, d'où cela vient. Donc, trois lettres qui. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ça part pas de. Les trois lettres, elles partent d'abord d'une pensée, d'un mot qui est visibilité. Et la pensée, c'est de voir vraiment la langue des signes. Pour moi, le fait de voir la langue des signes, c'est le moteur de tout ce que je fais en fait. Il faut absolument que la langue des signes soit visible. Est-ce qu'il faut qu'elle soit seulement à l'intérieur d'une famille, puis dès qu'on est à l'extérieur, on range ses mains, ou alors à l'école, on a un, deux élèves seulement, un professeur sourd, et puis tout le reste dans l'école, c'est que des entendants. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ou bien encore à l'hôpital, peut-être qu'il y a un service avec une ou deux personnes qui signent. Mais pour tout l'hôpital, des milliers de patients, avec des infirmières, des médecins, bon, etc. On a deux, trois personnes qui signent seulement. Et donc on ne les voit pas. Alors par chance, maintenant, on rajoute bien sûr la télévision avec l'œil et la main, Mediapi aussi. C'est vraiment super. Et moi, depuis 2018, j'ai commencé à faire des vidéos en direct sur Facebook. Donc c'est assez récent quand même, depuis 2018. Et j'ai été formée à l'ESIT, à l'école interprète, en 2006. Donc jusqu'à environ. C'était en sommeil, on va dire. C'était quelque chose que je gardais à l'intérieur de moi. Je me suis occupée de ma famille, j'ai eu des enfants, tout ça. Et en 2018, c'est là vraiment que tout a démarré avec une activité intense en langue des signes. Alors donc je réfléchissais, mais comment faire pour que on voit la langue des signes? Comment faire? J'ai longuement réfléchi. Donc j'ai créé l'école en ligne pour enseigner le français en langue des signes.
Donc dans le cours, on ne parle pas vraiment de sensibilisation, mais plutôt de traduction. Et moi, je n'enseigne pas du tout la langue des signes. J'enseigne plutôt la traduction. Donc pour un public entendant qui souhaite accueillir des personnes sourdes dans l'église. Ça signifie que je travaille deux langues, la langue française écrite et la langue des signes. Et on part de l'écrit et puis on va vers la langue des signes. Donc dans ces cours que j'ai faits, c'est vraiment une approche de la langue des signes. J'avoue que ça a été très difficile. Et il a fallu que plusieurs fois j'explique que je ne suis pas là pour enseigner la langue des signes. Donc je conduisais ces personnes qui souhaitaient apprendre la langue des signes vers des professionnels et des associations. Donc je réfléchissais à ça, mais comment faire pour que la langue des signes soit vraiment visible? Donc en 2020, je crée l'école en ligne, École Nathalie Froitier, ENF. Puis on sait que pendant 2 ans, on a été confinés, il y a une crise liée au Covid. Et moi, j'en ai profité finalement pour créer plein de programmes. J'ai travaillé énormément depuis chez moi. Voilà. Et puis régulièrement, je traduis pour l'église. J'ai des contacts à distance avec des personnes sourdes très régulièrement. Ça veut dire que même en restant à la maison, j'ai énormément de contacts visuels grâce à des échanges à distance. Voilà, j'en ai toujours. Et puis je continue. Après, je me suis rendu compte que j'avais travaillé énormément de thèmes. Donc j'ai acheté le tableau hein, que j'utilise là derrière moi. Et puis là, cette année, j'ai surtout donné un cours de français en langue des signes. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté le tableau pour cela. Et puis là, je suis quelqu'un qui a énormément faim de lire, de lire, de lire et puis de tout rendre accessible en langue des signes. Donc je réfléchissais, je me disais, mais il n'y a pas suffisamment de médias en fait. Alors Facebook, il faut faire attention parce que qui c'est qui est propriétaire de Facebook? On est aux États-Unis quand même. Donc c'est pour ça que j'ai créé le site internet que l'on voit ici, la langue des signes partout.com. Donc la langue des signes, le P, le fameux P partout. Bon. Alors la mission de ce site internet, c'est d'expliquer les actualités sur le sport, la politique, plein de thèmes qui sont légers et puis rapides. On enclenche comme ça les informations. C'est pas ça du tout. C'est pas ça la mission. C'est pas mon profil, ça me rejoint pas en fait. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment lire des gros pavés. Et de tourner les pages, j'aime ça en fait. Et puis, j'aime ensuite partager. Donc pour moi, quand je dis LS le P, la mission, c'est ce que l'on voit ici, accès à la connaissance. C'est ça, accès à la connaissance, que l'on partage donc en langue des signes. Donc cette connaissance qui est en lien avec des études, avec des débats, avec plein d'arguments. Je regarde des films aussi et puis je note, je compare avec d'autres films. Voilà, et tout ça, je peux en faire une synthèse. J'ai plein de choses déjà notées, plein de thèmes, plein de notes, j'en ai plein. Donc accès à la connaissance que l'on diffuse en langue des signes et on voit de partout. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui plein de canaux comme YouTube, Facebook. Et en fait, quand on diffuse, les personnes qui regardent, elles peuvent venir de partout. Et c'est ça qui est quand même bien.
Donc c'est pour ça que le de partout, il vient de cette pensée-là que tout le monde peut regarder, quel que soit le pays où il est. Donc la première mission, la mission principale, c'est accès à la connaissance en langue des signes. Bien. Maintenant, on voit là trois colonnes. Alors, on a bien compris maintenant ce que c'est que ce LSP et cette réflexion que je vous partage, voilà, qui est donc ma réflexion. Maintenant, on va réfléchir concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au départ, c'était important que LSF, ASL, LSF, oui, ce sont des langues, bien entendu, pour moi, c'est la LSF, c'est la meilleure langue des signes. Ben, parce qu'elle a un héritage, une histoire, un patrimoine de défense de la langue, de militantisme. Les personnes sourdes ont dû vraiment se dresser contre la pensée commune. Et moi, quand je regarde par exemple l'ASL ou bien alors la langue des signes allemande, eh bien, je trouve qu'il y a trop de dactylologie. En France, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, c'est très, c'est intéressant. Ensuite, concernant la deuxième colonne, donc là, la première colonne, c'est les langues. Maintenant, là, c'est la politique. Alors, cette visibilité, on va la regarder sous l'angle de la politique. Alors, c'est important que ça soit clair pour vous, que vous compreniez quelle est mon identité. Donc, c'est pour ça que je préfère expliquer un minimum quand même comment je pense, comment je réfléchis. Alors, l'audisme, cela signifie qu'on parle que la surdité, elle est pensée en termes d'ouïe. Il faut absolument entendre. Donc, c'est comme l'audisme, c'est similaire à du racisme. Alors, bien entendu, moi, je suis complètement contre. Ensuite, le validisme. Moi, je me souviens d'une personne qui m'a dit, toi, Nathalie, eh bien, tu milites contre le validisme. Dans le validisme, il y a le mot valide. Valide, cela signifie des personnes qui ne sont pas handicapées. Sont en bonne santé, qui marchent, qui entendent, qui voient. Voilà, il n'y a pas d'handicap. Donc, moi, je suis absolument contre le fait de penser une société dans laquelle tout le monde serait valide. Chacun a ses propres différences et je les accepte, il faut les accepter. Il n'y a pas de négatif. On est tous au même, on est tous égaux. Même si on n'entend pas bien, on ne marche pas, même si on a des problèmes de vue, eh bien, on est tous égaux. Alors, concernant le mot sumain, j'ai appris ce terme vraiment très récemment grâce à un commentaire. Donc, merci beaucoup pour la personne qui a mis le commentaire. Et je comprends que cela signifie pas une personne sourde qui veut se protéger sa langue ou alors un entendant qui est compétent en langue des signes et en interprétation et qui montre cela. Non, pas du tout. En fait, sumain, ça ne veut pas dire ça. Moi, ce que je comprends, on parle de culture sociale et sociolinguistique, presque on pourrait dire. Voilà, c'est la vie naturelle avec la pratique de cette langue, tout simplement. Et je pense que cette histoire de personnes humaines, ça me rejoint assez bien. Alors, en ce qui concerne le militantisme de la langue des signes française, c'est vraiment qu'elle, voilà, on sait tous ce que ça veut dire. Alors, moi, ça ne me rejoint pas. Moi, ce que je veux absolument, c'est que la langue des signes, eh bien, elle soit partout. Et la preuve, j'ai créé le site internet, la langue des signes partout. Voilà. Mais moi, je ne suis pas vraiment une militante parce que je n'ai pas le temps, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler le français en langue des signes et de voir aussi les personnes qui ont besoin et d'avoir des échanges avec elles, des partages. Voilà, du partage de connaissances, des regards différents, qu'on soit dans une dimension de construction. Voilà, moi j'ai le temps pour ça. Mais pas pour militer. Donc ça, c'est l'aspect politique. Maintenant, le troisième aspect,
On parle de l'aspect social. Donc, je pense que j'ai une idée et je pense que c'est la meilleure solution pour que l'on voit la langue des signes le plus possible, eh bien, c'est de créer un média. Voilà. Complémentaire de, on va dire, de ce qui existe déjà. Il y a Mediapi, c'est super. Il y a l'œil et la main, c'est bien. Et puis, voilà, moi, j'ai voulu créer... Et puis, pour donner aussi aux autres personnes, pour encourager des initiatives qui seraient similaires à la mienne, vraiment, que chacun puisse avoir la liberté de créer aussi un média. C'est facile aujourd'hui quand même. Il y a plusieurs groupes Facebook, par exemple, voilà. Il y a des entrepreneurs individuels qui ont créé leur propre entreprise. Il y a des associations qui se sont créées aussi. Tout ça, c'est super. En ce qui concerne le choix de la langue, donc, il s'agit bien sûr de la langue des signes et de la langue écrite. Et c'est tout. Bon, maintenant, lorsque je fais des vidéos, je rajoute la voix off parce que je pense au monde entendant. Et c'est important qu'ils aient un regard. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment envie d'apprendre la langue des signes et qui ont envie de connaître des sourds aussi et qui trouvent que la langue des signes est une belle langue. Donc, c'est pour moi, c'est un moyen de les attirer pour qu'ils rentrent dans le monde de la surdité, le monde des sourds. Voilà, ça, c'est pour eux en fait. C'est aussi des humains quand même. Alors, bien entendu, tout ce qui concerne les vidéos, les contacts, tout cela, toutes les explications que je donne, tout ça, c'est en respect du patrimoine et de l'histoire qui concerne les sourds. C'est pas possible de passer sous silence la culture des sourds. Lorsqu'on donne un cours en langue des signes, s'il y a pas de culture, si on parle pas de la culture, non. Il faut absolument donner à tous les apprenants un bagage de cette connaissance de la culture des sourds. Si on ne le fait pas, pour moi, c'est comme si bien cet enseignement de langue des signes ou en langue des signes, c'est comme si c'était un mensonge. Voilà. Ça veut dire qu'on ne respecte pas les personnes, tout simplement. Donc là, on est sur le volet social. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt. Encore merci pour ceux qui ont déjà mis un commentaire. Vraiment, je suis désolée d'avoir provoqué un peu cette confusion. Allez, bye bye.